on est dans dans une principauté qui, à partir du moment où le sultanat s'est installé à Delhi, vous vous souvenez de ça, c'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, il y a un gouverneur imposé par les Afghans qui est musulman et qui va fonder un sultanat, c'est-à-dire un petit empire autour de Delhi, qui n'est pas si petit que ça, qui est d'ailleurs très grand, et qui va laisser à sa marge des petites principautés qui sont plus ou moins vassales. Donc ici, on en fait partie. C'est une principauté qui garde son prince, son Raj, mais qui est vassal du sultan de Delhi, c'est-à-dire qu'il lui donne des impôts, moyennant quoi le sultan de Delhi lui laisse faire son petit palais et garder une partie des impôts pour qu'il règne, qu'il ait l'impression de régner ici. Donc une semi-autonomie. D'accord ? Ça, c'est à partir du XIVe siècle. Ces gens-là, ensuite, vont dialoguer avec les grands moghols, qui, eux, s'installent à partir du XVIe, 1526. Nous, nous sommes en pleine jonction entre les deux. C'est-à-dire qu'une partie de des traces de ces palais vont rester d'avant l'époque moghole, et ensuite les autres après l'époque moghole. Puisque les palais qu'on va voir, il y en a qui sont du début du XVIe, et d'autres du début du XVIIe, le dernier du début du XVIIe siècle. Mais l'ensemble de la ville, elle a une durée qui ne dure pas simplement au XVIe, XVIIe siècle. C'était donc une petite principauté hindoue qui gardait des habitudes religieuses et culturelles du monde de l'âne traditionnel et qui était plus ou moins soumise, plus ou moins vassale par rapport au sultanat avec lequel ils sont en relation de bonne entente. La preuve, c'est que ici, un des princes d'ici a épousé une des filles plus tard d'Akbar. Donc... Cheese! Cheese, les amis! Pour une fois, c'est inversé! Non, c'est déjà fait photographier là au temple. Au temple là-haut, j'ai pas trop compris. Oh, pardon! C'est pas grave. Mais non, il faudrait que tu sois avec lui.